Comment va le patient? Il est calme depuis ce matin. Bonjour, je suis le docteur Fong. Restez calme, je vais vous demander de vous asseoir. Bon, tout est en ordre, il n'y a pas de problème apparent. Je ne pense pas que son mal vienne de là. Expliquez-moi ce qui ne va pas. Vous allez tout savoir. Tout. Tout a commencé comme un conte, mais à l'envers. Comme si il vécure heureux était le commencement. Cette maison était tout pour moi. J'y étais né, j'y avais grandi, et je m'y étais installé à la mort de mes parents. C'était mon coin de méditation, mon coin d'extase. Nous étions installés ici depuis un an avec Bérénice. Nous étions complémentaires, elle joyeuse, moi plus renfermée. Enfin, ça aurait duré si elle n'avait pas commencé à faire ses crises de catalepsie. Ses crises de quoi? Je crois que j'en ai déjà entendu parler. C'était terrible à voir et à vivre. Bérénice? J'en devenais malade de chagrin pour sa jeunesse et sa beauté perdue. Je me réfugiais de plus en plus dans l'extase. Un jour où j'ai le malheur de la regarder, elle me sourit d'une façon que je n'oublierai jamais et qui fit naître en moi une obsession incontrôlable. J'emporterai le souvenir de ses 32 dents blanches comme l'ivoire dans la tombe. J'ai attendu longtemps qu'elle se réveille. Essayant de ne pas devenir fou à la vision de ses dents. Donc j'ai décidé qu'elle était morte. Et j'ai fait venir son frère pour la veiller. L'enterrement a eu lieu dans la soirée. Oscar, il vient de se passer quelque chose de vraiment horrible. Thank you.
La tombe de Bernice a été violée. On l'a retrouvée vivante, gémissante. Et mutilé à l'intérieur. Reposez-vous, Oscar. Tenez. Appelez ce numéro de ma part, d'accord. Il faut le prendre en charge immédiatement. Dites-moi une chose, Oscar, cette histoire, vous l'avez réellement vécue ou vous l'avez inventée? Si seulement je pouvais l'avoir inventée. Et comment connaissez-vous le patient? Eh bien, je suis sa voisine, et ce matin, comme je passais, j'ai entendu ses cris. J'ai vu qu'il n'avait pas l'air tranquille, il gesticulait de partout, donc j'ai appelé le docteur, comme je vous ai dit. Vous saviez qu'il avait une femme? Non, ils ne se sont pas mariés à l'église. Voilà, c'est ici. Ah voilà, je te présente Oscar, je pense que tu peux l'emmener tout de suite. Oui, délivre-moi. Vous savez Oscar, il y a des cages dont on ne peut se libérer.